Salut les cadavres, bienvenue dans le Random Metteur. On va tenter à nouveau trois matchs où je vais essayer de deviner à l'avance qui gagne, qui perd. Savoir si ma science de connaissance des champions s'est épuisée ou s'est améliorée. J'ai fait attention d'avoir deux relances. Parce que c'est important de pouvoir changer son champion dans ce mode de jeu là. Et ça serait con de commencer une série de trois vidéos avec zéro relance. Ah, ça sera un peu un piégeux, comme on dit. On nous propose Kog. Il y a un Vegar, une Janna, un Shaco, un Gragas. Sur le papier, la team est pas mauvaise, à part la Janna. Je sais, ça surprendra beaucoup de gens. Je ne trouve pas que Janna soit un champion formidable. Je ne trouve vraiment pas que Janna fasse le café. Alors même s'il y a des gens qui la jouent bien. Hein, mais j'ai l'impression de plus croiser des gens qui la jouent mal que des gens qui la jouent bien. Et dans l'équipe qu'on a, on remplacerait Janna par... dans l'équivalent, hein, par Karma ou Sona, ça serait... ou Morgana. Ça serait 100 fois mieux. Mais on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On a le tank, on a le Fufu avec ses boîtes à la con. On a le Majapé avec son contrôle de zone géant. On a un AD qui peut tirer de loin avec son ulti. A voir sur quoi on tombe. On tombe sur Teemo, Ekko, Azir, Sivir, Jinx. Et ils ont pas de tank. C'est hein, leur seul souci. Par contre, ils peuvent envoyer du lourd très rapidement. Et est-ce qu'on peut les contrer? Le Ekko et le Azir, ils vont être embêtés par Vegar. Après, Teemo, Shaco... les boîtes feront toujours moins mal que les champignons. Et on a un tank, ils ont deux ADC. Pas évident. Honnêtement, pas évident. Pas évident. Moi, je dirais que je vais normalement pouvoir punir le Ekko quand il va se mélanger au sbire au milieu. Après, les autres, c'est plus Vegar qui devrait s'occuper des autres, en fait. Sivir et Jinx. C'est plus Vegar avec son météore qui tombe du ciel là, qui peut leur faire mal. Qui peut aller les chercher alors qu'elles sont derrière. Alors oui, moi aussi avec mon ulti, mais c'est pas pareil. En fait, l'idéal, ça serait qu'on arrive à timer le météore et l'ulti pour qu'ils tombent dans des zones assez proches. Mais pour ça, il faut être en vocal ou être super entraîné. On a une team full honneur. J'avais pas fait gaffe, dis donc. C'est la team sympa. Voilà. C'est le premier match, c'est contre la team, super sympa. Un peu surpris de voir le Vegar Hill. C'est un peu curieux. En face, c'est très boule de neige. Il va falloir se méfier. Eh ben, 3 heures plus tard, on est enfin en jeu. Apparemment, le Ekko n'a pas un internet très violent, ce qui est tant mieux pour nous. On va miser direct sur un peu d'AP pour la traînée de bave et de l'AD pour le reste. On va essayer très vite de partir sur la Guinzo.
Bah, c'était pas mal. C'était pas mal. Je pense qu'on n'avait pas. On n'avait pas prévu. Dans les buissons. Qu'il y aurait autant de monde. Vora son mana, l'ami Kogma. Si jamais à un moment il se planque sous la tour avec très peu de points de vie, je pense que je crèverai pour aller les déloger dessous la tour. Toujours un grand moment. Profite pour mettre tout ce qu'on peut sous cette tour. Qui c'est qui peut nous défoncer là? Pour l'instant personne, mais l'ulti de Jinx pourrait venir me chercher de loin et du coup mon passif pourrait ne pas fonctionner. Le Azir est low, mais je pense pas que j'arriverai à m'approcher en fait. Et j'ai un bug en ce moment en Aram, je vois pas les heals. Ah non, 250 points de vie. De toute façon, j'aurais pas pu. Ceci étant, on va passer plus proche de la Guinzo que jamais. Enfin, que jamais, non. Plus proche que depuis le début. Ça, c'est sûr. Il a quoi? Il a 200 points de vie. Pas évident d'arriver à l'avoir. Oui, ça va, c'est quand même. Ça le fait quand même. Ça va, s'il a pas. S'il a des mouvements aussi peu prédictibles. Aussi prédictibles. Putain, j'ai du mal à parler. Ah, ok. Donc, en gros, on dit quoi? On dit que Jinx est pas très doué et que Azir a pas l'air très doué non plus. En gros. Parce que on n'est pas non plus en, on n'est pas en point de vie surnuméraire, hein. Un gros malin peut me tuer très facilement. Et Sivir n'a pas l'air très doué sur sa bulle non plus.
Là, je sais pas s'il y a un heal ou pas. Mais il y a un heal. C'est. Ça m'oblige à passer dessus pour checker s'il y a un heal ou pas. Elle m'a eu Jinx. Je sais pas comment d'ailleurs. Avec sa boule de neige, je pense, elle a réussi à s'échapper. Plutôt bien joué de sa part. On va se régénérer un peu. On va préparer les bottes de niveau 2. La Janna est basse en mana. Je vais essayer de claquer tout ce que j'ai en mana pour pouvoir après lui mettre. Ah non, putain. Donc on tourne. Normalement, le Teemo devrait me guetter. Normalement. Points de vie, ouais non, c'est... très téléphoné dans leur skill shot. Allez, faut que je meure. Ça bloque. J'ai le nez qui me gratte furieusement. La triche. Je suis pas hyper fan de partir Runan. Parce qu'ils sont pas assez groupés dans les fights en fait. On les chope tous un par un. Ah putain, j'ai le nez qui me gratte, ça fait chier ça. Tiens la tour le temps qu'ils reviennent. Personne ne se jette. Personne ne se jette.
plus de la banane. Ah, j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une. Je l'ai contournée en fait. Elle a pas vu que je me dirigeais vers elle. Elle était trop occupée à mater autre chose. Dichichi. Non, le Azir est embêtant. Le Azir et le Echo sont embêtants. Franchement, la Jinx et la Sivir, bof. Le Teemo, et ouais, le Teemo peut être relou. Avant de prendre un peu d'armure ou un peu de RM, je vais encore attendre. Je suis pas sûr de mon choix et je peux pas faire les deux. Ils sont pas morts. Et moi non plus. Bon, par contre, là, honnêtement, n'importe qui peut me rentrer dans l'art. ouais, bon, il faut que j'arrête de faire le con, il faut que je reste en vie. C'est chaud, hein. C'est chaud, je sais pas. Donc si je jouais bien, on serait mort depuis longtemps, quoi. On a buté des minions, on a fait des kills, on est sympa, on est rigolo. Ouais, on achète sa cash et on va faire mon objet préféré en arabe, le lithoplastron de la gargouille. Parce que 40 RM, 40 armures, ce qui est plutôt cool. Et quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est plus 40, plus 40. Top. Bon, ok, elle m'a touché. On dira rien, elle m'a touché, j'ai pas réussi à l'éviter. Et du coup, ça fait 80 RM, 80 magie en un seul objet.
Ah, il m'a eu quand même. Comment? Je sais pas. Comment il m'a eu? Boule de neige? Le statique! Le statique! J'ai pas vu le statique! Putain! La salope! J'ai pas vu le statique! Non, ce qui me rassure, c'est qu'elle m'a eu plus par bol que par autre chose. Alors, est-ce qu'on peut se glisser dans ce fight? On va arriver un peu tard. Oui, la petite auto, le petit lastit à la fin. Nice. On a un peu d'armure et on va pourtant partir. Voilà, on va pas de suite compléter le lito parce que très honnêtement, les AP, ça va. On gère. Tout ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va prendre cette petite potion d'oracle pour les champis. On est bien avancé, c'est pas le moment que les champis de Timur renversent la partie. On revient au combat. Un tout petit peu tôt. J'ai pas vu que j'étais mort de suite, sinon j'aurais commencé à me déplacer et j'aurais pu arriver un petit peu plus haut. Je vais pas partir là-dessus en fait. Changement d'idée. Changement d'idée. On va partir là-dessus. Histoire de ralentir mes adversaires qui sont en vitesse d'attaque.
On a pu avancer, mon sacrifice n'aura pas été vain. Ouh, Végard ! Oh, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, non, il y a des champions comme ça. Shaco et Fiddlestick, faut pas faire un Zonia devant eux. Ça sert à rien du tout. Ils t'attendent à la sortie avec le Fear et t'as dépensé ton Zonia pour que dalle. C'était mignon ça, hein. C'était mignon. Allez, il est temps de faire disparaître une tour. J'ai trop hésité. Sivir, elle aurait mis son truc. L'autre, elle était trop loin. J'aurais dû foncer direct. C'est pas gravissime non plus. Allez, on améliore. Et on va prendre ça. Parce que, à mon avis, les deux mistinguettes, voilà. Build critique, build critique. Donc à 1900, on partira sur le rendu. Et je crois pas qu'on puisse perdre encore deux teamfights. On perd la tour. Enfin, la tour, les tours. Premier teamfight perdu, premier tour perdu. Voilà le rendu 1. Je suis pas sûr que j'utilise assez souvent, très souvent du moins, sa propriété active. Maintenant qu'on est full stuff, fiole d'oracle et consommable jusqu'à la fin.
Fallait que je me régène. Fallait que je me régène. Si j'avais fui, j'aurais pas eu de minions sur lesquels taper pour contrer ce champi de merde. J'étais obligé de me régénérer. 20 secondes d'attente. J'arriverai pas à me. Putain, c'est bon. J'arriverai pas à me glisser discrètement et de toute façon. C'est un peu tard. Il avait 120 points de vie de trop pour que je le tue. On n'arrive pas à passer quoi, c'est hallucinant, on n'arrive pas à passer. On n'arrive pas à passer. Eh ben écoute, on part sur le ruinal. Hein. Survie, survie, survie. Il n'y a plus de tour, il n'y a plus de champi. Et voilà, c'était tout. C'était tout, fallait juste arrêter de les taper et fallait se concentrer sur les tours et le truc. Ben, bravo Gragas, voilà, aime bien Gragas. J'ai un rideau pour limiter un petit peu l'écho, un petit peu, hein. Ça aide vaguement quoi. Oh, j'ai réveillé mon chat par contre. Oh nounouche. Mon chat a une particularité. Ouais, je sais que ça vous intéresse vachement. Mon chat a une particularité, c'est que dès qu'il voit une housse d'ordinateur portable, vous savez, cette espèce de matière synthétique noire dont sont faites les housses de portable, eh ben, il se jette dessus et il s'endort. Voilà, et puis il fout ses poils bien dedans. Allez, une partie de fête, honnêtement. C'est pas la partie la plus jolie de ma vie. Je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu être vachement plus réactif. Mais bon. Shogat, non, pas Shogat. Vous voyez, par exemple, non, pas Shogat, quoi. Voilà. Anivia, oui. Anivia, on est d'accord. Shogat, non. C'est pas possible. Ça,
Ça ne se peut pas. C'est interdit, Shogun. Non, pas Nasus. Nasus, je peux, dans des cas d'une extrême gravité, je peux faire du Nasus, si vraiment il n'y a rien d'autre, mais non, quand même Anivia, quoi. Sur le papier, on a une team un peu pourrie. On va pas se le cacher. Ça manque des cadors de la rame, vous voyez. Ça manque des cadors de la rame. Et en face, ils nous mettent Malphite, Urgot, Janna, Aurélion, Zira. Zira est un problème, Malphite est un problème, les autres non. Et compliqué. 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 Parce que Zira, elle fait vraiment le café. Allez, je vais dire qu'on gagne parce que j'ai confiance en nous. Voilà. Mais c'est vraiment la seule raison, quoi. Allez, on est parti. On a misé sur une victoire. Anivia, il n'y a pas beaucoup de starters qui valent le coup. Je vais opter pour celui-ci. Pourquoi pas les popos? Ah ben parce que avec la distance de tir qu'a Anivia et son 9, son passif, on reste très souvent en jeu. Longtemps. Et joli le skin de Varus. Et du coup, bah c'est... Allez, on les échange de coups. Du coup, c'est plus rentable de prendre quelque chose qui va rendre de la vie au fur et à mesure que de prendre quelque chose... Putain, j'ai pas changé les maîtrises. Oh, merde. Ah bah, je vais pas être un Anivia très efficace, du coup. J'ai pas changé les maîtrises. Ah, il y en a un peu dans tous les sens quand même. T'as vu, il faut lui faire baisser ses points de vie là, pour qu'il se casse. Sauvez-moi, je suis un œuf. Sauvez-moi, je suis un œuf. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien pour me sauver. Il n'y a que ma gueule pour me sauver. J'ai plus mon œuf. Et 4 minutes en Aram, c'est long. Bon, des parties qui durent 20 minutes. Mon Rengar, il va aller voir ailleurs s'il y est. Non, ben... Personne peut me tuer de loin là. Parce
nous semble. Et si, Jana avec une tornade. Ah, c'est énorme. C'est juste énorme. Je sais pas trop quoi prendre. Si, on va prendre ça. Parce qu'il faut faire des esquives partout. Alors, comment est-ce qu'on attaque ce problème de Urgot Malphite ? Comme ça ? Comme ça ? Mal comme ça, cette façon d'attaquer les problèmes. Ah, j'aurais dû tenter un jump ailleurs, tu vois. Je sais pas pourquoi je l'ai fait là. Pas contre Malphite en fait, non, je sais même pas pourquoi je l'ai fait au final. J'aurais pu m'en abstenir, ça aurait été mieux. Non, bah dis donc, pas trop reluisant ce corbeau. Je l'ai connu sous de meilleurs jours. Wouhou! Elle fait mal avec ces tornades à la mise, dis donc. De toute façon, hein, il a que deux touches à taper pour te faire un nombre de dégâts absolument dégueulasse. Bon, par contre, je pense que la prochaine fois, il laissera pas l'œuf revenir. Mais ta vie. À peu près comme ça. Par contre là je suis pas bien. Hein, on va pas se le cacher. Mon œuf est pas revenu. Ah, ils sont pas si mal les poteaux, hein, finalement. Non, ça c'était pas. Allez, on y va.
on l'a lancé un petit peu au pif. Est-ce qu'il y a un soin? Non, il n'y a pas de soin. Dommage. Ah bah tiens, maintenant je les vois les soins. Eh hey, Malphite, j'ai appuyé sur R. C'était trop fun. C'était trop fun, Malphite. Ah putain, quel champion de merde. The débile. En plus, à mon avis, attention, Malphite. Oh, un Malphite qui va tanker. Il est pas parti fou la paix. Écoute, ah, on est passé au travers. On va se prendre une petite tornade en arrivant. Ah, c'est... Mais attends. Non, mis à part le fait que Malphite est juste pété comme champion, là, Janna place bien ses tornades. Hein. Peut-être au final la plus dangereuse. Aurélion, je le range dans les personnages de merde en arabe. Le côté, il faut que je fasse en sorte que mes petites comètes, elles te touchent. Quand t'as 5 mecs, que ça te saute dans tous les sens, tes petites comètes, tu perds un temps fou à essayer de faire en sorte qu'elles soient utiles. Compliqué de rentrer dedans. Non, la tornade. C'est la tornade de Janna qui leur permet toutes leurs enguettes, tu vois. C'est Janna la plus dangereuse, hein. Se méfier parce que la Zira, elle peut finir tout le monde. Oupa ! Et acrobatique. Acrobatique. C'est bon, ils sont passés au travers. Il s'est complètement désintéressé de moi. Tu vas prendre le soin, toi. Putain, mais t'es un blaireau. Mais crève. Juste crève.
juste crève comme une merde. Ouais, elle est rentrante. Alors, un gars, je veux qu'il meure, quoi. On aura sauvé le Varus. Voilà, on aura fait un petit mur avant de mourir. Qui lui aura permis de venir se cacher sous la tour. Qui est à 200 points de vie. Ne reste pas sous la tour. Ne reste pas sous la tour. Ne reste pas sous la tour. Je croyais qu'on allait gagner. Tiens. Mais non, Varys, t'as pas eu le temps. Non mais je suis pas, lance une flèche. Oh, putain, il est pas bon. Il est pas bon. Il est tellement pas bon. Il a tué des gens, le Varys. Ah, il a tué des gens. Écoute, je sais pas. Il a tué des gens. C'est qu'il est bon. Sur le papier. Il y a un mec chez nous qui gaspille pas. Le Rengar éventuellement, ouais. C'est le seul qui a un ratio négatif. Ça tombe bien, ça, c'est un connard, il m'a piqué un coup. J'arrive pas à face check Malphite. Je suis pas comme ça. Je sais pas si on aura le temps de le finir. Mais on va tenter le joli chapeau. Dépêche, on rate pas les clics, s'il vous plaît. Merci. Allez, vas-y, Rengar, impressionne-nous.
Il est doué. Et moi pas. Et voilà, ça s'appelle le petit bouclier. Elle l'a pas vu celui-là. Ah bah je suis en œuf. Je suis un œuf, mais arrête de taper Malphite, toi. Ah, Malphite, Malphite, il a de l'armure. Tu lui fais pas de dégâts, mon ami Varus. On s'en fout de Malphite. Ça non plus, ça marche pas, ça. Ah non, le Varus, il est... Il fait 14 kills. Je sais pas qui les a piqués, mais il les a fait, quoi. Bon, est-ce qu'un ami vient tout seul, ça fait quelque chose. Voilà, on clean, on clean. Non ! Oh non ! Oh la pute ! Putain, mais elle est douée, quoi. Elle est douée. Là, faut que je me méfie de l'ulti de l'autre couillon. 73 points de vie. Je pourrais pas la bait deux fois. Pas grand chose à 40 points de vie, on aurait mérité, mais non, pas assez. Alors on va prendre ceci, qui est loin d'être inutile. On a réussi à les repousser assez loin. Il n'est pas exclu qu'on puisse revenir avant qu'ils ne prennent nos tours. Et leurs 2600 points de vie.
plaisir. Voilà. On a éliminé la plus dangereuse. Attention. C'est parti. Et chaud, parce que là, je me voyais perdre. Honnêtement, je me voyais perdre. Alors, qui est notre meilleur ami? Donc, Perengar, parce qu'il a piqué du heal. Elle a fait des engages hyper culottés. On va lui dire bravo. Et le Varus est top damage. Écoute, je re-regarderai cette partie. Parce qu'à chaque fois que je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'il faisait un peu nawak. Comme quoi, on ne peut pas toujours juger. Ah, il reste quand même. Ouais, bien. Bien, on est heureux. Allez, la dernière. Pour l'instant, on est sur du 100%. On est sur du 100%. On y croit, on se bat. Tristanouille, j'aime bien la Tristanouille. Par contre, voilà, hors de question qu'on se passe d'une Cassio, vous êtes fous. Cassio, Xerath, Tristanouille, Maokai, Zilean. Putain, t'es con, on reprend Xerath, quoi. T'es fou, allez, super extrême. Non, pas Singed, pourri Singed. Oh. Alors, je le prendrai bien. Sauf qu'on a besoin d'un ADC. Et que j'ai déjà joué Xerath deux ou trois fois et que j'ai un peu envie de jouer un ADC. On tombe assez rarement dessus, hein, quand même. Statistiquement, il y a plus d'autres choses que d'ADC, quoi. Voyons voir ça. Brom, Volibear, Malzar, Vladimir, Thresh. La team tanky. Alors, est-ce que j'aurais dû prendre Xerath? Non, je pense pas. Je pense pas, parce qu'il va y avoir besoin d'un ADC pour descendre un peu ses tanks. Il y a 8 chances sur 10 que Thresh parte AD. Parce que je ne croise que des Thresh AD en Aram en ce moment. Alors, de là à dire que les concepteurs ont tellement mal conçu le personnage qu'en fait il est plus puissant en ADC qu'en tank, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Allez, je prends un risque, mais vu le nombre de tanks en face, on est censé perdre. Moi je dis qu'on perd. Ah putain,
Je me suis douché il y a 5 minutes, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Je pense qu'on s'est sauvé la mise à pas grand chose. Et qu'on va vite devoir aller chercher du vol de vie. Ils ont le brome qui tire quand même à bonne distance. Ils ont le trèche qui grave à distance. Ah non, mais je... Plus je vois comment la partie se déroule, plus il me semble qu'on va perdre. En fait, on va mettre un temps fou à pouvoir lutter contre des tanks qui sont naturellement tankés en début de partie. Alors que l'ADC fait naturellement pas de dégâts en début de partie. Et l'autre Singed, là, il a tellement mangé sa mère. Elle rentre dans le buisson, sinon on peut rien faire. On va partir, des fois qu'il y ait un missile non prévu qui nous arrive dans la gueule, venu d'on sait pas où. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà, un appel lunaire. Et ben ça peut être évident. Et le trash, il part à AD ! Incroyable ! Ce nouveau ! Le trash AD ! Non, je veux partir! Ah là là, flûte glute! Et voilà, on tente des kills et voilà comment on est récompensé. On se fait crocher par un voli, si j'ai bien vu. Et alors là, tu peux toujours essayer de cliquer sur quoi que ce soit. Moi j'ai des... Je sais pas si c'est des temps de latence, quoi. Je suis à 51 ms, mais je vous promets que je les sens, les 51 ms, quoi. Ce que j'ai pu faire, c'est un pauvre petit bond pour essayer de lui ressauter dessus.
Et je me demande... Je vais prendre un peu de RN quand même. Je vais prendre un peu de RN parce que... Vladimir prend de la RM. Brom tire en RM. Malzar en RM. On va partir sur le fait que Thresh est nul. Un peu comme tous les Thresh ADC que je croise. Pour être très honnête. Chaud, mon petit Brom, t'as eu chaud. J'hésite à rendre la mana maintenant. Je vais attendre que la Cassio soit un peu plus basse que ça. Toujours aussi pourri Singed. J'ai l'impression qu'il joue pas trop mal, mais ça a l'air toujours aussi pourri. Ouais, on va prendre un petit X. On va terminer cette lame tempête. La lame jolie. Jolie, tu peux pas tout éviter, mais notamment pas ça. Ah, il est quoi? Ouais, il est tempête. C'est bizarre quand même, il est tempête RM, régène point de vie. Curieux. Je ne vous cache pas. Par contre, je vais devoir débush souvent Métavie. Ça aurait pas servi à grand chose. J'ai eu 2 milliards d'années de. J'ai pas fait le mute. Tiens. J'ai eu 2 milliards d'années de stun comme d'hab. Quoi. Les stuns sont trop longs dans ce jeu. Les immobilisations. Quand tu vois la vitesse à laquelle tes points de vie descendent, mais les immobilisations, mais c'est. Il faut avoir la moitié de tes points de vie et jouer un tank pour espérer de sortir en vie d'une immobilisation. Mais n'importe laquelle! Hein. 2 secondes et demie, mais c'est ingérable, c'est beaucoup trop long. L'ultime Maogai, c'était pas le bon moment. Je sais pas s'il veut juste avoir le Malzar ou quoi, mais c'est un peu light. Hein. C'était un peu light. Ah, du coup, j'ai un peu foncé pour niquer le Malzar. Hein. Je dois vous avouer que je comptais pas m'en sortir en vie. Je suis pas le bon champion pour s'en sortir en vie.
petit tour à 300 points de vie. Petit tour à 250 points de vie. Ah non, lui... je me demande si c'est pas lui le plus gros problème. Il hésite pas à y aller, il réussit bien ses divers... Divers tentatives sont souvent couronnées de succès. Vous allez la regretter votre tour. Le saut de Tristana est une merde en bâton. Le saut de Tristana, c'est de la merde. Le saut de Tristana, c'est une seconde pour accepter de décoller et tu peux te faire choper pendant toute la durée du saut. C'est un saut, c'est pas un TP, c'est un saut. C'est un saut du genre, hein, je vais sauter, hein, oh regardez, je saute, grabez-moi, tuez-moi, immobilisez-moi. Je déteste ce putain de saut. Et ce Volibear, il me pète les couilles. Et il est parti. Oh, il est parti très RM, dis donc. Plus bactère, si quelqu'un pouvait le finir, ça m'arrangerait. Ouais, bon, ouais. On va fatalement faire un objet critique. Il n'est pas très résistant, le brum. Survie Makai. Survie Makai, c'est lent cette vitesse de jeu. Joue fraîche, je suis pété, on a des... Je sais mec. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait sérieusement réfléchir à jouer trèche en position d'ADC en fait. Ça ferait un ADC super tanky avec un escape, un shield, de l'immobilisation. Hein? Bah finalement, pourquoi on s'emmerde à jouer des ADC fragiles? Ouais, faut tester du trèche.
l'ADC grab. Débile, Tretch. Il y a un nombre de champions débiles dans ce jeu, mais c'est ahurissant. Ce vieux vol, quoi. Ce vieux vol. Il est temps de faire disparaître cette tour. Et il est temps de faire disparaître sa copine. Ah non, tu fais pas toucher. Ah, heureusement, Trash il est nul. Hop là. Non, mais t'es revenu dedans. Allez, on fait descendre tous ces points de vie. Ça, je suis pas sûr, tu vois. Voilà, il n'y a plus de la tour. Je dépêche, les loulous. Ouais, on va prendre ça parce qu'il faut taper sur tout le monde. Petit truc qui le poursuit, c'est le mec. Le mec il tente un truc, il se prend une bombe, deux bombes, deux petits lutins qui le coursent. Allez, c'est là qu'on fait la différence si on survit. J'ai l'impression que le Zilan joue bien. Et il marque trois fois. J'ai l'impression qu'il joue pas mal. Je l'ai pas encore vu me filer d'XP. Je dois le filer à quelqu'un d'autre. Je vous avouerai que j'ai même pas encore compris comment Zilean donne de l'XP au joueur A plutôt qu'au joueur B en fait. Je ne sais pas. Saute, 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 non. Tenter de le repousser vers mes potes. Mais voilà, après ils ont tellement de CC quand tu arrives au contact que c'est un peu complexe. Singed en action! Je te poursuis, je te jette en te sauvant la vie. Ah, Singed. J'avais prévu qu'on perdait, c'est ça? Je crains de perdre ce pari. Et arrêtez de faire des trash AD, parce que ok, ça fait des coups qui font mal, mais ça tient pas sur le long terme, quoi. Toi, Makai. Hop là, Tristana, Malakari. Moi je dis Malakari Tristana. Et bon, j'ai perdu parce que j'ai gagné, mais Tristana a fait la différence, quoi. Voilà. Enfin, non. Non, c'est Thresh. Très honnêtement, leur Thresh. Je vais arrêter de jouer Thresh AD. C'est les
quatre coups de grappin qui font très mal. Ça contrebalance pas. Ça contrebalance pas. Et moi je dis que voilà, Zilean, il a fait du bon taf. Ouais, clairement, et je suis pas le seul à le penser. Ah, et Cassio a fait bien mal aussi. Ouais. Elle est trèche. Mouek, 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 mouink. Arrêtez votre trèche à dé. On aura la paix. Et puis, franchement, en face, ils auraient eu un quatrième tank, ça aurait été un peu complexe. Heureusement qu'il y avait Malzahar et lui pour tomber. Et le Brom, mais. Alors, je pense que son erreur, ça a dû être RM. RM. Parce que je l'ai découpé en tranches, mais bon. Voilà les petits cadavres, voilà le résultat final du random maître. Bon jeu à vous que vous jouiez, rendez-vous peut-être in-game. Ciao!